Salam alaikum, bienvenue sur Recette Maroc. Welcome to Recette Maroc. Aujourd'hui, je vous présente une idée originale qui est celle de la brioche léopard. Today, I'm sharing with you how to prepare a really unique way of making brioche. It's the leopard print brioche. Bismillah. On commence par placer tous ces ingrédients dans la cuve du robot, la farine, le sucre, levure sèche, le beurre, pincée de sel et laitiette. Let's start by placing all of these ingredients in the bowl of a stand mixer, the flour, sugar, dry yeast, butter, a pinch of salt, and the warm milk. Pétrissez pendant environ 10 minutes jusqu'à ce que la pâte ne soit plus collante aux doigts. Knead the dough for about 10 minutes until the dough isn't sticky to the touch. Prélevez 320 g plus ou moins de cette pâte et formez une boule lisse et laissez de côté. Remove 320 g of the dough and make a smooth round ball and then leave aside. Avec le restant de pâte, ajoutez 10 g de poudre de cacao et 2 à 3 cuillerées de lait. Bien mélanger afin de rendre la pâte homogène. With the remaining dough, add 10 g of cocoa powder and 2 to 3 tablespoons of milk. Mix well in order to have a homogeneous dough. De cette pâte, prélevez environ 200 g, formez une boule lisse et laissez de côté. Placez le restant de pâte dans un bol et ajoutez 12 g de poudre de cacao et 2 à 3 cuillerées de lait. Remove about 200 g of dough, form a smooth ball and place in a bowl and leave aside. Place the remaining dough in a bowl and add 12 g of cocoa powder and 2 to 3 tablespoons of milk. Bien mélanger pour obtenir une boule de pâte lisse et de couleur brun foncé. Placez dans un bol et laissez de côté. Mix well to form a smooth dark brown ball of dough. Place in a bowl and leave aside. Couvrez les boules d'une serviette et laissez reposer une heure environ dans un endroit tiède. Cover the balls with a towel and let rest for 1 hour in a warm spot. Dégazez chaque boule de pâte et formez un rouleau et coupez en 7 parts égales. Degas each ball of dough, form a log and cut into 7 equal parts. Ensuite, formez des boules lisses pour chacune des couleurs et laissez de côté. Next, form smooth round balls for each of the colors and leave aside. Ensuite, pour chacune des couleurs, formez des petits bâtonnets et laissez de côté. Next, for each of the colors, make thin sticks and leave aside. Pour la suite, prenez le bâtonnet de couleur le plus foncé et roulez légèrement afin de l'aplatir et de l'élargir. For the next step, take the darkest colored stick and flatten it out and enlarging it somewhat. Placez le bâtonnet de couleur brun clair par-dessus et scellez la pâte sur toute sa longueur. Roulez pour rendre lisse la partie scellée, laissez de côté. Faites de même pour tous les autres bâtonnets foncés et brun clair. Place the light brown stick on top and seal the dough. Roll it out to smoothen out the seam and leave aside. Do the same with all of the other dark brown and light colored sticks. Prenez ensuite le bâtonnet blanc, aplatissez-le et élargissez-le légèrement. Placez le bâtonnet foncé par-dessus et scellez la pâte. Roulez pour lisser la jointure et faites de même avec tous les autres bâtonnets blancs. Take the white dough, flatten it out, and enlarge it slightly. Place the dark stick on top and seal the dough. Roll out to smoothen the seam and do the same with all of the other white sticks. Faites en sorte que chaque bâtonnet soit le double de la longueur de votre moule à pain. Coupez-le en deux et placez-le dans votre moule huilé et fariné. Roll out the sticks in order for them to be 2 times the length of the bread pan. Cut in half and place in your oiled and floured pan. Couvrez et laissez reposer pendant environ 40 minutes. Cover and let rest for about 40 minutes.
Faites préchauffer le four à 350 Fahrenheit ou 180 Celsius et badigeonnez le dessus de la brioche avec du lait. Preheat the oven at 350 Fahrenheit or 180 Celsius and brush the top of the brioche with some milk. Faites cuire au four pendant environ 25 minutes et faites également dorer le dessus. Cook in the oven for about 25 minutes, lightly golden the top to give a nice color. Ces brioches sont belles et délicieuses, vous pouvez les servir pour le petit déjeuner ou le goûter. J'espère que vous allez essayer cette recette. These brioches are really pretty and delicious. You can serve these for breakfast or for an afternoon snack. I hope you will try this recipe out. N'oubliez pas également d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne pour d'autres délicieuses recettes. À très bientôt! Don't forget as well to like, share and subscribe to the channel for more delicious recipes. See you soon, inshallah.